Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes mardi 9 novembre, il est 14h35 et je vous retrouve pour avancer un petit peu ma toile. Paper Killing, alors on l'a commencé ensemble, elle est à l'envers. Donc ce sont des toiles que vous trouvez sur n'importe quel site qui fait du diamond painting. C'est très très à la mode, c'est une nouveauté. Et il y en a de toutes les couleurs, de tous les thèmes. Ben vraiment, ils sont tous super jolis. Alors celui-là est dans les tons, me semble, violet, rouge, bleu. Mais vous en avez sur le thème de Noël. Vous en avez dans les roses, dans les verts, dans les jaunes. Voilà, il y a plein de motifs, de modèles différents. Et tous des strass spéciaux. Voilà, ils sont tous, je pense, je ne me dis pas de bêtises, je pense en m'en avançant. Ils font tous 30 sur 40. Le mien là a 10 couleurs, 10 strass différents de diamants. Et dans un cadre, ça va être vraiment super joli. Voilà. Je vous le montre comme ça, vous le verrez encore mieux. Voilà, on avait commencé le haut. Donc, il n'y a pas besoin de tablette lumineuse. Hein. Donc, ce sont des toiles partielles qui sont sur un fond de peinture. Voilà, petite aquarelle. Bien sympa et c'est vraiment très très joli. Alors on va mettre quand même peut-être mon petit aimant ici. Moi j'ai mis dans mon petit tiroir, voilà, il y a un Père Noël qui est avec et on a le DP. Voilà, j'ai mis en rouge pour ce DP, donc on a bien les 10 couleurs. Alors, je vais vous mettre comme ça. Hop, je vais vous mettre sur mes mains. Voilà, et on va travailler. On a des strass spéciaux à mettre ici. On va essayer de les mettre. Alors, je dois avoir ma colle rose ici. Puisque ça, c'est un stylet que j'utilise avec la colle rose. Les miens ont la wax. Et pour les diamants spéciaux, je prends la colle rose. Alors, on a les grosses boules vertes, les grosses boules rouges. Voilà, je vais faire des trucs un peu spéciaux parce que les basiques gris, vous connaissez. Hein, le but, c'est de vous montrer les beaux strass qu'il y a. Donc, les boules vertes, c'est le numéro 6. Alors, il ne faut pas se fier à la couleur vert ici. Il faut se fier au rond qui est autour. Donc, c'est du noir. On croit que c'est du vert, mais non. En fait, c'est des boules. Bon, elles ont plein de reflets parce que, je ne sais pas si vous allez voir, mais le dessus est vraiment bien. Vous voyez, il y a plein de facettes. Donc, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas des boules vertes, c'est des boules noires. Et il y en a 4 ici, donc on va les mettre... Je sème. Donc, soit avec une pince, soit avec le stylet, soit avec les stylets comme ça, avec l'embout en cire que vous trouvez sur tous les sites de DP dans outillage diamond painting. Alors, 2, 3, donc je l'avais plié, c'est pour ça qu'elle rebique. Mais c'est pas un souci. 4, hein. Ouais, c'est noir, c'est violet et noir. Donc là, c'était les verts, on a les rouges, c'est le numéro 5. Du coup, j'en ai un ici et 4. Alors, je regarde, oui. Les rouges, on a dit le 5. Du coup, c'est pas du rouge. On voit, il faut vraiment avoir des bons yeux. Puis même, on le verrait pas. On regarde le tour du cercle et en fait, c'est du rose. Je sais pas pourquoi ils font comme ça, mais enfin. Donc, on prend toujours les plus jolis. Hop, je les dépose juste pour pas qu'il y ait de colle rose dessus.
Et après, je les place avec mon doigt. Pas qu'il y ait de dépôt. Alors, je vais remettre un peu de colle. Ah ouais, c'est vraiment beau, hein. Et puis il m'en faut un autre pour ici, le centre de la petite fleur là. Donc voilà pour les 5. Alors ce sont des petits ouvrages qui sont rapides à faire, mais moi j'aime bien les prendre au milieu. Vous voyez, je fais un DP normal, je vais venir un petit peu faire celui-ci. Ça change un petit peu des toiles complètes à faire. Ça montre d'autres choses. Alors ça, ce sont les pétales ici. Elles sont transparentes, mais elles ont des reflets. Donc on va les placer. Et ça change du DP normal ou même des sapins de bricolage. Ouais, c'est très sympa, hein. Sympa à faire et sympa à regarder. Alors voilà pour les 8. Alors on a du numéro 1. Ce sont des diamants blancs. Je croyais que c'était des AB, mais c'est du blanc. Alors, ils sont ici et là. Donc on va faire la petite partie. Ici. Voilà, on va lui donner un peu de lest. J'espère que vous allez bien. Ça y est, l'école a repris pour 6 semaines après les vacances de Noël, vacances d'hiver. La rentrée s'est bien passée. Irina n'a pas pleuré. J'avais mis en avance hein, pour pas que. Parce qu'on arrive à la fin, il y a tous les chouinous qui pleurent et puis après elles chouinent aussi, donc c'est un cercle vicieux, on ne s'en sort plus. Donc ça s'est bien passé, elle m'a dit j'ai pas pleuré, je suis une grande fille, bon bah tant mieux. Elle m'a redit pareil ce matin. Alors c'est chiant, c'est que ça rondole quand même pas mal. Hein. Je tourne un petit peu, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, il y en a. Et puis le produit plastique, c'est un peu des fois pénible, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas enlever le plastique de toute façon, donc on a besoin de la protection jusqu'au bout. C'est pour ça que je respecte, quand c'est des toiles comme ça, je respecte l'ordre parce que je ne vais pas aller mettre des diamants tout en bas parce qu'après, le papier, il ne collera plus en bas. Et tant que le DP n'est pas fini, tant qu'il n'est pas protégé par la colle, non, il faut vraiment... laisser la protection jusqu'au bout, pour que les diamants se sauvent, parce que c'est pas une toile DP, là, hein. C'est sur une peinture, c'est une toile partielle, donc les diamants ont tendance à glisser beaucoup. Et donc, il se déplace, il se sauve. On est toujours obligé de les remettre. C'est pour ça que je vous dis de bien sécuriser le travail à la fin avec la colle, parce que même sous cadre, ça va bouger. Hein. Avec les années, enfin, le temps qui passe, ça va se,
ça va se décoller. On ne peut pas mettre une toile comme ça dans un cadre sans mettre de la colle Cléopâtre dessus pour protéger. Vraiment, pour sécuriser le boulot, quoi, parce que tous les jours, vous allez voir qu'il y aura des strass qui vont se détacher. Il y a besoin de cette petite finition. Enfin, c'est mon avis, hein. Après, alors la colle Cléopâtre, vous la trouvez sur Amazon. C'est peut-être 6-7 euros. Vous n'êtes pas obligé de prendre le litre, hein. Vous pouvez prendre 50 centilitres. Après, moi, j'utilise que celle-là. J'en colle tous mes projets, tous mes DP, tout ce qui est en diamant. Donc, c'est amorti, quoi. Je vais l'utiliser. De sûr, elle va être utilisée, donc. Mais ça dure très très longtemps la bouteille. Mais pour moi, c'est pas un achat. Il y en a besoin. Voilà. On fait du DP. Il y en a besoin. Alors si vous commencez le DP, vous commencez votre première toile et vous vous dites, il faut que j'achète de la colle parce que j'en aurai besoin. Non, bah attendez d'être sûr que ce loisir vous plaise, que vous allez avoir l'utilité, que vous allez refaire d'autres DP. Ou d'autres choses en diamant avant d'investir dans la colle évidemment, mais si vous comptez faire beaucoup d'ouvrages, je vous conseille vivement d'acheter la colle. Moi, c'est la colle de marque Cléopâtre et c'est l'adhésif. Je vous la montre toujours, vous pouvez la retrouver dans toutes mes vidéos où j'en colle mes ouvrages. Voilà, si on a utilisé les finitions ou on en colle ou. Les petites nouvelles. Alors, difficile de faire un choix dans ces toiles. Alors, vous les trouvez dans les toiles partielles ou certains sites ont carrément une rubrique qui leur est dédiée. Toile Paper Killing. Voilà, ça s'appelle comme ça. Il y a des pages, il y a au moins 20 pages. Allez, 10-12 pages. Selon les sites. Franchement, il y a. Il y en a pour tous les goûts, tous les goûts. Et quand on fait du DP, on aime bien aussi faire des petites toiles comme ça. C'est sympa pour offrir. Ça prend pas trop longtemps à faire, donc ça peut être avantageux aussi niveau temps. Dans un cadre, ça fait un superbe cadeau personnalisé, quoi. C'est vous qui l'avez fait. Alors moi, quand je tombe dessus, quand je vois des toiles violettes, automatiquement, je pense à ma grand-mère. Je me dis, oh, ça, ma grand-mère aimerait bien, parce qu'elle adore le violet. Quand je vois du rouge, alors le rouge bordeaux, c'est pour moi. Donc, je regarde aussi pour moi. J'ai des couleurs qui me rappellent des personnes comme ça, et je me dis, bah, tiens, une toile comme ça lui plairait. Alors, ils ont beaucoup de roses, il y a même vachement foncé dans les tons noirs, noir et violet, oh, ils sont magnifiques. Et il y en a avec des bougies, il y en a avec des motifs autres que des fleurs. Hein. Franchement, il y a de tout. Voilà, ils ont vraiment des très très jolies collections pour tous les goûts. Ça, c'est bien. Hein. Voilà les numéros 2, les numéros 1. Les blancs on va faire des contours avec le numéro 2, c'est des grenats, non c'est pas rouge grenat, c'est un peu je sais pas, bordeaux rosé, très
très très jolie couleur. Bah, c'est les mêmes que ceux-là, je pense. On va regarder. Ouais. Ouais, c'est les mêmes que ceux du dessus qu'on a fait la dernière vidéo. Alors, je l'ai commencé avec vous en vidéo. J'en ai fait qu'une fois, du coup. Et là, c'est la deuxième fois. J'en fais pas tous les jours, hein, comme je sais que c'est un ouvrage qui va être rapide à faire. Non, non. J'en fais de temps en temps, ça me coupe un petit peu de mes DP plats, quoi. Mes grandes toiles, mes étoiles en diamant normaux. Bon, là, je peux me permettre, comme c'est au même niveau, d'aller un peu partout. Parce que c'est tout des numéros 2. Après, je pense, j'ai pas ma règle là, mais il fait 30-40 bords compris. Il me semble. Concentré, hein. Et oui, hein. Alors, j'essaie de les mettre là. Après, on peut mettre la toile à plat. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça roule, c'est ennuyant. Ennuyeux. Du coup, demain, mercredi, pas d'école, à part pour Timéo et Théo. Mais les petits n'ont pas d'école, et du coup, jeudi, c'est férié, donc il n'y a pas d'école non plus. Fait qu'ils ont 2 jours de repos consécutifs. Après, il n'y a plus que vendredi, et c'est le week-end. Petite, petite semaine. Hein. Ça avance vite hein, ces petites toiles, mais c'est tellement sympa à faire et c'est vraiment pas cher du tout. Ça vaut vraiment le coup, c'est quelques euros, mais c'est 3,45 € quelque chose comme ça. Il y a souvent, moi je les commande par deux parce que je sais jamais laquelle choisir. Parce que franchement, il y a des pages de modèles différents. Hein. C'est pour en choisir, s'ils nous en font qu'une ou deux, c'est compliqué, c'est difficile. Le choix est difficile à faire. En plus, il y en avait des belles avec des bougies, il y en a des autres, des belles avec des fleurs. On ne sait pas trop que choisir. Hop, je vais mettre comme il faut dans les mains. Le problème, c'est que ça gondole et ma coupelle, ah si, ça va aller. Vous voyez, il faudrait vraiment que j'aplatisse. Sinon, je tiens le truc. J'ai l'impression que j'avance pas. Là, c'est bon. Il faut que je trouve un rythme. Voilà. Sinon, alors là, je fais le contour des feuilles. Avec cette jolie couleur.
Là, hop, le milieu. Alors, je crois que dans le kit, il y avait quelques sachets zippés. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il y en avait 10. Je pense pas qu'il y en avait 10. Mais ces petits ouvrages, vous pouvez les mettre dans des sachets zippés si vous ne voulez pas entamer un pilulier pour 10 cases ou prendre 10 enfin, mettre dans votre valise de rangement. Ou, voilà. Comme il n'y a pas beaucoup et que c'est rapide à faire, ça ne va pas vous prendre des mois. Donc ça sert peut-être à rien de remplir un pilulier ou, qui pourrait vous servir pour un DP qui va durer plus longuement, quoi. Voilà pour le contour de la feuille. Et donc on va finir cette feuille. On va faire les numéros 3. Alors, on va regarder quelle couleur c'est. C'est du noir. Oui, il est vraiment dans les couleurs foncées, celui-là. Mais j'ai bien aimé les couleurs bordeaux, le noir, le violet. Et puis ce blanc qui vient tout trancher, là. J'ai trouvé que c'était beau. Évidemment, sur le site, ça rend pas. On voit pas. On imagine, mais le rendu, tant qu'on n'a pas le DP devant nous, on ne voit pas très très bien. Mais il rend super bien. C'est des couleurs qui vont très bien ensemble. Voilà, il faut bien les replacer. De toute façon, à chaque fois, ils vont bouger. Donc, je les replace. Après, on voit un petit. Voilà, on voit la marque blanche dessous et ça fait pas beau. Voilà pour la petite séance d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une vidéo bien longue, mais je ne vais pas terminer la toile partielle aujourd'hui. Évidemment. Donc, je vais vous montrer le joli rendu. Que ça donne. Regardez comme c'est beau. C'est chouette, hein? Les grosses traces. Ouais. Voilà, donc ce sont des paper quilling, des toiles de German painting partielles. Voilà, à faire pour soi ou à offrir dans un joli cadre. C'est vraiment très très beau. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!